Complétons l'actualité avec les journaux Paris dans la capitale en ces débuts de semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité, vous le savez, reste entièrement dominée par les obsèques du président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux qui a reçu 3 jours d'hommage mérité à Bruxelles, capitale de Belgique. Tshisekedi rassemble mobutistes, lumumbistes et kabilistes. La référence en plus en parle dans ses colonnes. Il faut retenir que le palais d'exposition d'Elsey a refusé du monde hier dimanche 5 février 2017. 3 jours des obsèques de Tshisekedi à Bruxelles. Le palais D a été envahi par des membres de famille, des sympathisants de l'IDPS, des Congolais anonymes, des personnalités politiques, des Africains, des Belges pour se recueillir autour du cercueil de l'opposant congolais et Tshisekedi décédé mercredi dernier dans ces pays. Parmi les premiers officiels qui se sont inclinés devant la dépouille mortelle, il y a notamment le bourgmestre de Bruxelles, Ivan Mayer, l'Europe députée Céline Kienge, Olivier Kamitatou, l'ancien ministre congolais des plans et membre de la plateforme de l'opposition congolaise G7 des sources sûres. Le premier ministre Sami Badibanga se trouve actuellement à Bruxelles, capitale de la Belgique, mais il est difficile de confirmer sa présence à la cérémonie. Plusieurs officiels européens et belges ont également répondu présents. Par ailleurs, en dépit des relations toujours tendues entre le président Mobutu et son opposant radical Tshisekedi, leurs épouses ont tous oublié Bobby Ladawa. La veuve Mobutu a fait le déplacement pour réconforter la veuve Tshisekedi au domicile bruxellois du défunt dans la commune de Wallonne à Bruxelles. Les deux femmes ont échangé dans une ambiance apaisante et particulièrement conviviale. Bobby Ladawa, qui a visiblement tendu à faire oublier à Marthe Tshisekedi sa peine pour ce peu de temps, a tenu à la réconforter en privé et ne sera pas présentée à l'office public prévu demain. Le secrétaire général du PALU, dans un message de condoléances au samedi 4 février 2017, définit Étienne Tshisekedi comme un modèle des combats pacifiques pour la démocratie en République démocratique du Congo, note la consoeur. L'actualité toujours autour de Tshisekedi pour déterminer la cause précise de sa mort. Tshisekedi, une autopsie s'impose, martèle la colombe, le point gauche. Selon tous les médecins membres de l'IDPS qui avaient vu débarquer Tshisekedi à Bruxelles, personne ne s'imaginait ce qui est arrivé, c'est-à-dire l'issue fatale de son séjour médical. L'évolution de la maladie vers la mort, selon un de ses médecins sur Top Congo, est étonnante et brusque. Il doit y avoir une cause de cette accélération. Ces doutes devraient dès à présent éloigner la thèse d'une mort naturelle. Le fait que Tshisekedi se soit rendu à Bruxelles pour un contrôle médical ne peut en aucun cas expliquer l'évolution brusque de la maladie. La moindre prudence veut qu'une autopsie soit opérée pour que l'on n'ait le cœur net et que la vraie raison de cette évolution brusque de la maladie conduisant jusqu'à la mort soit élucidée. Note la colonne. Sami Badibanga lance par ailleurs un message à la mobilisation martèle la prospérité, toujours en rapport avec les hommages dignes à Étienne Tshisekedi. Il a dit: j'appelle tous les partisans du défunt et tous ceux qui se revendiquent de son idéal politique à saisir l'occasion de ces malheureux événements pour non seulement sauvegarder l'unité du parti, mais aussi et surtout créer les conditions du rassemblement de toutes les tendances se réclamant de l'idéal de père fondateur de l'IDPS afin de continuer l'œuvre. Étienne Tshisekedi déclare ouvertement dans un message signé à Bruxelles ce 4 février 2017. Sami Badibanga Ntsita, l'actuel premier ministre et qui, depuis sa tendre enfance vers les années 80, a été à l'école des combattants inlassables de la démocratie, de l'infatigable avocat de la démocratie et de l'état des droits dans notre pays, qui fut le sphinx de l'humanité. Puis à tout le peuple congolais, Sami Badibanga demande de signer dans cette épreuve pour le respect de la mémoire de l'illustre disparu et la poursuite de sa contribution pacifique pour la démocratie, l'état des droits et la liberté. Nous devons de même nous interdire toute politisation de cet événement malheureux qui nous inait dans la douleur.
prévient-il, Samy Badibanga? Bouclons la boucle avec le plan B qui vient toujours avec des enquêtes avec un DG jugé incapable. Transco serait au bord de la faillite, note le confrère. À ces propos, il faut retenir que pièces de rechange volées, des bis non renouvelés, dysfonctionnement administratif, solde négatif 3 ans après son lancement, la société Transco, pièces de rechange volées, des bis non renouvelés, dysfonctionnement administratif, solde négatif 3 ans après son lancement, la société Transport du Congo Transco vit peut-être son dernier instant. Selon des sources bien introduites, une mission d'audit du ministère des Transports et voies de communication est en cours au sein de la société des Transports du Congo. Les constats qui s'y dégagent déjà à mi-parcours est apocalyptique. Les experts du ministère indiquent nos sources détectent des mêmes maladies qui jadis ont mis fin à la vie des sociétés publiques des transports en commun comme OTCZ, Sotra, Cititrain, Jussac ou encore STIC, lancé officiellement le 30 juin 2013. Cette société se trouve malheureusement au bord de la faillite 3 ans et demi seulement après. À défaut d'acquisition de nouveaux bus, les magasins des pièces de rechange et presque vides, ces pièces ont-ils été utilisées, s'interroge le confrère. Non, ils ont été volés une par une, témoigne-t-on. C'est par cette note que nous bouclons cette revue des journaux, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. Au revoir et à demain.